les dames, que je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vient... J'ai coincé un cheveu dans mon trépied, oui, parce qu'en fait mon trépied actuel, c'est un vrai trépied, mais j'ai pas l'embout qui permet de fixer l'appareil au trépied. Du coup, l'appareil avec lequel je vous filme est enroulé de scotch. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va faire des quiz, mais pas les mêmes tests quiz que d'habitude. Là, je suis allée chercher tous mes quiz sur BuzzFeed parce que BuzzFeed is my religion. Leurs vidéos, je pourrais regarder toute la journée. Leurs quiz, ils sont excellents, voilà. Je vais vous faire découvrir. Le truc marron, c'est que c'est anglais, donc je vais devoir traduire en 2-2, à chaud, à froid, en direct, live. Ça va être un truc de ouf. C'est parti. Je te parie que tu ne peux pas faire tout ce test. Oh putain, je commence déjà à être nulle. Je te parie que tu peux pas traverser ce Would You Rather test. En gros là le mec est en train de me défier, donc on va niquer des mères. Est-ce que tu préférerais avoir du fromage en illimité toute ta vie ou pouvoir faire un câlin avec Chris Hemsworth? Je vais dire manger du fromage parce que j'arrive même pas à prononcer le nom du monsieur. Donc on va prendre le fromage pour toute la vie, yeah. Est-ce que tu préférerais manger ce chaud et fondant gâteau au chocolat ou que Drake me chante la sérénade? Honnêtement, on va pas se mytho, je vais choisir la sérénade de Drake parce que comme le disait mon t-shirt précédent, je suis la fille pour laquelle Drake pleure dans ses chansons, donc autant qu'on fasse un face à face. En plus, la photo du test est plutôt pas dégueulasse. Quoi? 70% des gens ont répondu qu'ils préféraient manger le gâteau au chocolat? Ça a pas de tête! Est-ce que tu préférais manger ce... Oh là 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 là. Est-ce que tu préférais manger cette quesadilla au fromage dans un lit king size avec HBO, donc en gros avec une chaîne télé avec plein de séries? Bon là je me tape la montre mais je ne sais pas qui est Idris Elba. Je sais pas ce que ça veut dire l'app. Donc on va manger la quesadilla sur le lit king size. Est-ce que tu préférais être capable de commander des frites de partout quand tu veux? Donc en gros je suis aux toilettes, je peux faire ça et j'ai des frites qui atterrissent. Ou faire un câlin en cuillère avec Oscar Isaac. Commander des frites partout où je veux. Et 87% des gens veulent commander des frites. Est-ce que tu préférais manger du mac and cheese pour tous les repas de tous les jours ou regarder Michael B. Jordan se déshabiller en face de toi? J'aime pas trop le mac and cheese, donc on va décider que Michael B. Jordan va se déshabiller en face de moi. Michael, j'attends. Vraiment, le monde est fait de gros tas. Il y a quand même 52% de gens qui préfèrent manger du mac and cheese, qui est en fait des pâtes au fromage. Donc les gars... Est-ce que tu préférais enfoncer tes dents dans un délicieux burger juteux tous les jours, tous les soirs de la semaine ou passer un week-end au lit avec Zayn Malik? Honnêtement, passer un week-end au lit avec Zayn Malik parce que au moins je boufferais quand même des burgers tous les jours et ce week-end au lit me permettra d'éliminer toutes les calories accumulées pendant la semaine. Est-ce que tu préférais manger une bonne crème glacée servie dans un plat à tout moment quand tu le demandes ou avoir une longue et chaude douche avec Nick Jonas? J'aime pas la glace au chocolat. On va choisir la douche avec Nick Jonas. Je passe vraiment pour une putain de dalle, c'est horrible. Mon plat préféré c'est les sushis, pour l'instant ils m'en ont pas mis donc c'est pour ça. Est-ce que tu préférais manger du poulet frit pendant que tu es allongé dans un hamac sur la plage pendant tout le week-end ou avoir un massage de Ryan Gosling? Non mais là c'est pas possible, là désolé mais... Je suis encore obligée de me taper la honte, mais le massage de Ryan Gosling. À un moment donné, Ryan Gosling. Est-ce que tu préférerais manger une pizza entière toute seule ou lâcher les abdos de The Rocks? Manger la pizza entière, ça a pas la tête. En plus, ce mec m'attire pas du tout. Avoir une quantité de cookies au chocolat en quantité illimitée qui fond dans ta bouche ou pécho sensuellement Godfrey Gao? Je préfère manger des cookies parce que je sais même pas qui est Godfrey Gao. Est-ce que tu préférerais manger le plus juteux et le plus goûteux des steaks de ta vie entière ou être séduite par Tyler Posey? La viande en ce moment ça me dégoûte un peu. Du coup on va choisir la séduction de Tyler. Et les gens préfèrent manger de la grosse viande, bande de gros porcs. Que tu préférerais manger une boîte entière de tes donuts préférés juste pour toi, traîner dans le lit avec Rami Malek en le fixant dans ses grands yeux globuleux là? Moi je préfère manger les donuts parce que Rami Malek il a un truc dans le regard qui me... Non, j'apprécie pas. Est-ce que tu préférais avoir un putain de taco truck garé sur mon parking ou embrasser Kit Harington sous la pluie? Embrasser Kit Harington, au moins j'économiserais de l'argent. Voilà, manger ton poids en sushi gratuit ou se glisser sous les draps avec Prince Royce. Je ne sais même pas qui est Prince Royce, donc je vais manger mon poids en sushi. Et croyez-moi, ça fait beaucoup. Est-ce que tu préférais manger des biscuits illimités de Red Lobster Forever? Je suis fatiguée. Est-ce que tu préférerais pouvoir manger toute ta vie des biscuits de chez Red Lobster? Je sais pas ce que ça goûte. Oh là 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 là, c'est bon. Être dans un jacuzzi seul avec Zac Efron. Zac Efron! Donc, on a fini le premier test. Me voilà tout émoustillée et prête à continuer sur le deuxième. Vos préférences en pizza révéleront votre préférence dans le domaine des hommes. Quelle croûte de pizza préfères-tu? Normale, fine ou très très profonde?
Oula, c'est bizarre ça. Normal, normal. La croûte fourrée ou non? Of course, avec du fromage. Si tu pouvais avoir seulement une viande sur ta pizza, laquelle choisirais-tu? Je veux pas être méchante, mais je vois pas en quoi cette question va révéler mon type d'homme préféré. Si je dis saucisse, ça va me dire quoi? Est-ce que c'est ok de manger de la pizza avec de l'ananas dessus? Oui, c'est la vie. Donc ma réponse, c'est que je suis intéressée par les geeks. Ce que tu aimes, c'est un homme qui est vraiment enthousiaste concernant les choses qu'il aime, qui ne s'en excuse pas du tout, parce que tu sais qu'il peut apporter le même enthousiasme dans ta relation. Je suis un peu déçue. Donc voilà, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. J'espère que cette variante un peu des quiz vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et j'en referai. À zap. Je vous fais un gros bisou, profitez bien de vos vacances et à très très bientôt. Bye!